Si vous l'ignoriez, vous le savez maintenant. Non, stop. Maintenant, je vais donc vous donner l'appel. Je vais vous donner... Allez, je m'assieds, ça va aller mieux comme ça. Hop. Je vais vous faire l'appel de chacun d'entre nous. Arnaud Murgia. Présent. Richard Nussbaum. Présent. Catherine Valdener. Présent. Éric Pétieux. Présent. Annie Astier-Conversé. Présent. Christian Julien. Présent. Émilie Demoulin. Présent. Jean-Marc Chiapponi. Présent. Elisa Faure. Présent. André Martin. Présent. Claire Barnéou. Présent. Michel Skripnikov. Présent. Patrick Michel. Présent. Corinne Aschettino. Présent. Christian Ferru. Présent. Corinne Forbrac. Présent. René Michel. Présent. Brigitte Lasserre. Christophe Hosty. Présent. Moi-même. Renaud Ponce. Marie Soubrane, présent. Hervé Boulet, présent. Sandrine Cordier, présent. Johan Lagier, présent. Maryse Xosa-François, présent. Natalia Sertour, présent. Florian Dazin, présent. Solange Michel, présent. Thomas Schwartz, présent. Aurélie Poyot, oui. Gabriel Léon, présent. Et Francine Derden. Présent. Maintenant, ce que je viens de vous lire, je vais vous le faire passer pour que chacun de vous puisse le signer. Maintenant, je vais poser la question. C'est le moment de faire acte de candidature à la fonction de maire. Ah, pardon, j'ai oublié le secrétaire de séance. C'est Émilie Demoulin, et les deux assesseurs sont Émilie Demoulin et Johan Lagier. Voilà. Et maintenant, si vous voulez bien faire acte de candidature, les uns et les autres, je vais mettre mes lunettes pour pouvoir vous voir. Voilà. C'est Gabriel qui est candidat pour la liste d'Aurélie. Non, je présenterai la candidature d'Aurélie. D'accord. Et oui. L'équipe de l'opposition Briançon d'abord propose pour la candidature de maire à Briançon Monsieur Florian Dazin. Bonsoir à tous. Pour la candidature de maire de la commune de Briançon, j'ai l'immense plaisir de proposer Monsieur Arnaud Murgia. Alors, je crois que ce soit Aurélie ou Florian, ils ont demandé de dire un mot avant que nous procédions au vote. Je vais vous laisser la parole. Appuie sur le bouton. Depuis le début de cette campagne municipale, la liste Briançon citoyenne a défendu un projet démocratique et un projet qui offre des réponses d'avenir aux enjeux environnementaux et sociaux auxquels notre société doit répondre et devra répondre dans le futur. Dans la continuité de ce que nous avons défendu depuis le début, nous présentons Aurélie Poyot à la candidature de la mairie pour la liste Briançon citoyenne. Merci. À Florian. Ah non. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous profitons de ce premier conseil municipal pour remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés dès le premier tour, qui ont su créer la surprise et qui nous ont manifesté toute leur confiance pour le second tour. Nous remercions les nombreux soutiens que nous avons reçus pendant ces dernières semaines. De nombreux Briançonnaises et Briançonnaises ont adhéré à ce nouvel élan de gauche, humaniste et écologiste, auquel beaucoup de Français aspirent aujourd'hui,
comme ils l'ont prouvé dans les plus grandes villes du pays. Nous sommes fiers de défendre des valeurs qui sont plus que jamais essentielles aujourd'hui pour affronter les défis du monde d'après face au dérèglement climatique, aux crises sociales et économiques, à la xénophobie ou encore à la destruction des services publics. Notre liste Briançon citoyenne a inspiré confiance, car nous n'avons pas changé de ligne depuis l'annonce de notre candidature, et au contraire, la crise sanitaire n'a fait que conforter nos propositions qui s'appuient sur le respect, l'écoute et la citoyenneté, la solidarité et la transition écologique. Le nouveau maire de Briançon, qui a annoncé être le maire de tous les Briançonnais, ne pourra l'ignorer. En démocratie, il est de bon ton d'accepter le résultat des urnes et de féliciter le convainqueur, tout en lui souhaitant de réussir à remplir sa mission auprès des habitants. C'est donc ce que nous faisons aujourd'hui. Nous vous félicitons. Comme nous l'avons précisé dans notre programme, et malgré nos divergences, nous souhaitons travailler avec bienveillance et respect au sein du conseil municipal. Nous portons un programme citoyen et de transition qui s'inscrit dans une démarche d'avenir. Dimanche dernier, 20% des électeurs ont affirmé qu'ils croyaient en ces valeurs. Nous serons force de travail et référents dans ces domaines. Si Monsieur le maire souhaite être le maire de tous les Briançonnais, il se devra de nous donner les moyens de travailler en bonne intelligence avec lui. Notre but sera d'être dans la construction et nous examinerons toutes les délibérations sous le prisme de nos valeurs de citoyenneté, de solidarité et de transition écologique. Sans surprise, nous resterons fidèles à nos engagements et à nos électeurs. Nous accompagnerons les projets que vous avez proposés dans votre programme et qui sont conformes à ces valeurs et à l'intérêt général. Nous pensons par exemple à la continuité des pistes cyclables sécurisées, la passerelle de la Chape au Fontenil et d'autres encore projets qui vont dans le sens de nos valeurs. Par contre, nous ne pourrons accepter et dénoncerons les projets qui mettraient en péril l'équilibre financier de la ville et le bien vivre ensemble à Briançon. Par exemple, le déplacement de la mairie ou de la CCB dans le cœur de ville. Nous retenons que vous avez promis aux Briançonnais que vous n'augmenterez pas les impôts. Nous espérons que ce ne soit pas en vendant les bijoux de famille. En termes de citoyenneté, nous proposons que les grands projets que vous envisagez soient soumis à des consultations citoyennes. La population a besoin d'être écoutée et impliquée dans les projets de leur ville. Nous sommes déterminés et veillerons avec fermeté à ce que les intérêts de tous les Briançonnais soient pris en considération. En termes de transition écologique, tout reste à faire. Dans votre programme, aucune vision de la défense de l'environnement et de la biodiversité. Pas une seule fois le mot écologie n'y apparaît. Pour autant, nous souhaitons vivement vous accompagner afin que Briançon devienne une ville exemplaire et que vous preniez dans l'ensemble de vos décisions la mesure de l'urgence climatique que plus personne ne conteste aujourd'hui. En termes de solidarité, nous n'oublions pas que Briançon est une ville d'accueil et de solidarité, comme l'a montré la crise sanitaire que nous venons de traverser. De ce fait, nous serons tout particulièrement vigilants sur toutes ces questions et au soutien sans faille du monde associatif qui fait la richesse de notre ville. Nous veillerons également à ce que, à Briançon, le bien vivre ensemble soit une réalité. Nous avons reconstruit ces 11 dernières années une véritable politique sociale, et pendant la crise, nous avons bien vu que cela constituait un rempart, une force pour faire face à ces temps difficiles. Aussi, nous espérons que vous maintiendrez ces acquis. Je pense au passe Sésame, aux subventions du CCAS, au chèque eau, à l'école municipale du sport, à l'école municipale de la culture, à la tarification progressive de la cantine, du calme ou encore à la mutuelle communale. Nous espérons que vous poursuivrez les dossiers en cours, comme l'OPA, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat pour les logements,
le tiers-lieu dans la vieille ville, l'aménagement du parc dans le cœur de ville, le règlement de local de publicité ou encore la voie douce. Et même, nous espérons que vous vous inspirerez de notre programme, comme l'écopôle, la ferme communale, le développement d'un tourisme quatre saisons, la création d'un centre communal de santé, la production d'énergie renouvelable pour des emplois pérennes. Propositions pour lesquelles nous serons force de travail et si vous nous donnez tous les moyens pour nous impliquer. Merci. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, j'aimerais souligner que c'est une très bonne chose que l'on se retrouve au théâtre pour le conseil municipal, qui peut accueillir beaucoup plus de monde qu'à la mairie. Et si c'est possible qu'on le fasse ici pour les prochaines fois, nous sommes très ouverts à cette proposition. Aujourd'hui commence une nouvelle ère. Gérard Fromm et Romain Gresca ne souhaitent pas siéger au conseil municipal. Le groupe Briançon Unis pour l'avenir évolue de ce fait. Nous sommes issus d'un groupe d'hommes et femmes amoureux de leur ville et nous savons ce que nous voulons et ce que nous ne voulons plus. Nous ne retrouvons pas de valeur dans les étiquettes politiques actuelles. Nous sommes un groupe de Briançonnais et nous souhaitons représenter et travailler pour tous les Briançonnais. Notre groupe porte désormais le nom de Briançon d'abord, car Briançon passe bien avant tout clivage politique et ambition nationale. Sachez que nous ne sommes pas que 5 représentants au conseil municipal. Ce sont des centaines de personnes qui soutiennent notre projet et notre action. Il ne faut pas oublier que le passé est respecter l'héritage de tous nos anciens maires, mais nous ne représentons pas le passé, nous représentons l'avenir. Ainsi, l'ensemble du groupe Briançon d'abord vous félicite pour votre victoire, la démocratie a parlé, et nous respectons cette victoire. Nous tenons évidemment à remercier les électeurs qui se sont déplacés dimanche dernier, parmi eux, ceux qui ont voté pour nous. Nous avons également compris que les personnes qui ont préféré s'abstenir, sûrement car elles ne se retrouvaient pas chez les 3 candidats du deuxième tour, c'est pourquoi nous voulons proposer une alternative, une vision différente qui saura associer tourisme, économie, le social et l'écologie. Rappelons que 72% des inscrits sur les listes électorales n'ont pas voté pour M. Murgia. Ils doivent être écoutés et représentés. La campagne électorale, d'une longueur inédite, a été marquée par des attaques violentes sur certaines personnes de la part de toutes les équipes. Nous dénonçons ces attaques et nous mettons un point d'honneur à ce que ces dérives soient bannies. Nous n'hésiterons pas à faire appel à la justice si de nouvelles menaces ou attaques sur des personnes ou des vies privées sont proférées. Toute personne de notre équipe qui agira de la sorte seront exclues, car le respect mutuel doit être la base d'un travail commun intelligent. Nous sommes convaincus que vous nous rejoindrez à ce sujet et que vous ferez respecter ces règles de civisme au sein de votre équipe. Nous serons une opposition constructive et nous souhaitons travailler intelligemment pour les Briançonnais. Mais sachez que nous ferons en sorte que tout ce que vous avez promis aux Briançonnais soit appliqué dans les délais et nous serons intransigeants par rapport aux finances de la ville. Nous subissons des restrictions budgétaires et une fiscalité élevée depuis 30 ans et nous ferons tout pour que cela ne se reproduise plus. Nous avons bien noté que vous n'augmenterez pas ni la dette ni les impôts. Nous serons très attentifs à ce que vos actions ne conduisent pas à le faire dans l'avenir. Nous serons également attentifs en particulier à la culture, au patrimoine et au social, car votre programme n'est pas explicite à ce sujet. Nous veillerons également à ce que les dossiers soient traités sur la base de faits concrets et des états financiers, et non sur des intérêts personnels ou du copinage. Pour terminer, nous sommes au cœur d'une crise sanitaire mondiale et très inquiétante au niveau de la santé et du monde économique. Des mesures d'urgence ont été prises par la majorité sortante. Vous les avez fortement critiquées. Nous vous demandons donc de mettre en œuvre vos mesures à ce sujet le plus rapidement possible pour le bien de tous et pour relancer notre économie locale. Merci à toutes et à tous pour votre attention et pensez à Briançon d'abord. Merci. Toi, Arnaud ? Non. Alors, maintenant, je vais vous appeler un par un à venir voter.
Non, non, mais je l'ai mis. Mais c'est parce que je ne l'ai pas approché, c'est ça. Oui, je vais vous laisser préparer votre vote. Et puis, vous viendrez un à un voter, mettre votre vote dans l'urne. Merci. Mais non, je me détendrai quand on sera au cimetière. Et bien comme ça, ils sauront. On peut voter ? Les assesseurs, s'il vous plaît, c'est Johan et Émilie. Où ils sont ? Et bon, c'est à M. Murgia de venir voter en premier, s'il vous plaît. Richard Nussbaum. Catherine Valdener. Éric Pétieux. Annie Astier-Convertissé. Christian Julien. Émilie Desmoulins. Jean-Marc Chiaponi. Elisa Faure, il est au début de la liste, c'est plus vite. Elisa, ah, tu es là-bas. André Martin. Claire Barnéou. Michel Skripnikov. Patrick Michel. Corinne Aschettino.
Christian Ferru. Corinne Forbrac. René Michel. Brigitte Lasserre. Christophe Hostie. Renaud Ponce. Marie Soubrane. Hervé Boulet. Sandrine Cordier. Johan Lagier. Maryse Xosa-François. Natalia Sertour. Oui, parce qu'il faut qu'il vienne de là-bas. Florian Dazin, comme ça, ça va plus vite. Solange Michel. Thomas Schwartz. Aurélie Poyot. Gabriel Léon. Et Francis Nerden. Maintenant, je pense que les assesseurs vont procéder au dépouillement.
Et de constater qu'il y a bien 33 bulletins, on va procéder au vote. Au dépouillement. Voilà, donc, le vote est clos. Vous me donnez les résultats, s'il vous plaît. Merci. Nombre de suffrages exprimés, 33. Arnaud Murgia a donc obtenu 25 voix. Aurélie Poyot, 3. Et Florian Dazin, 5. Alors, avec un résultat pareil, c'est donc Arnaud Murgia qui est élu maire de Briançon. C'est Arnaud qui vient là pour que je lui remette son écharpe. Mais je vais d'abord dire un mot. C'est ça ? Voilà. On m'a dit au bénéfice de l'âge. Alors, j'ai trouvé que j'avais de la chance d'être la doyenne pour qu'il se mêle fierté et émotion de remettre à Arnaud son écharpe de maire. Vous me permettrez un autre moment d'émotion pour évoquer un instant Alain Bérou, avec qui j'ai siégé pendant 18 ans ici. Et puis, ne pas oublier Jean Locoz, Monique Estachy, Anne-Marie Fort-Vincent. Ils sont avec nous. Voilà, je sais que chacun ici a conscience du travail qui nous reste à faire et qui nous attend. Nous allons avec Arnaud
œuvrer pour Briançon et tous les Briançonnais, être à l'écoute de tous et faire de notre ville un lieu où il fait bon vivre ensemble. Pour finir, merci Arnaud de la belle équipe que tu as su construire et qui saura travailler avec confiance. Ce soir, ici, dans cette salle, il n'y a que des Briançonnais qui œuvreront pour les Briançonnais. Voilà. Alors. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, si vous le voulez bien, avant de m'exprimer, je voudrais juste avoir un petit mot de sympathie pour notre collègue Christian Julien qui, il y a 2 heures, vient de perdre sa belle-mère et exprimer, je crois, au nom de tout le conseil municipal, la chaleur humaine qui entoure la famille de ton épouse et toute la famille Nussbaumer. Je vous demanderai d'avoir respecté juste quelques petits instants de pensée sympathique parce que c'est jamais évident de participer à un conseil municipal dans ces conditions. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, les Briançonnais viennent de nous confier la lourde charge de les représenter. Ce soir, nous sommes toutes et tous les élus de Briançon. Et je mesure l'immense responsabilité que vous venez de me confier en m'élisant pour exercer les fonctions de maire pour ces 6 prochaines années. Depuis 5 ans que je suis élu au département, j'ai souvent eu à mesurer à quel point l'exercice des responsabilités électives pouvait être difficile, parfois ingrat, dans certains moments presque inhumain. Quand vous avez vécu la détresse des habitants de la Haute-Romanche à la suite des événements du Chambon, quand vous avez vécu les drames qui ont frappé notre vallée ces 2 dernières années, vous savez, au fond de vous, à quel point notre cohésion, notre vivre ensemble, ne tiennent parfois qu'à un fil. Notre pays traverse aujourd'hui une crise d'une gravité inouïe. Les situations que nous aurons à affronter ces prochains mois ne sont malheureusement pas que des idées. Elles ont un nom et elles sont des mots. Difficultés financières, difficultés sociales, détresse personnelle. Il faut nommer les choses. Et face à la plus grande récession que notre pays va connaître depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est cela que nous devrons affronter ensemble. À notre niveau, à notre échelle, nous devrons prendre notre part. Je veux que notre ville soit à la fois un rempart contre les difficultés sociales et un moteur pour le redémarrage de notre économie. Briançon, ce n'est pas une simple ville des Hautes-Alpes. Notre ville a une grande histoire. Briançon, c'est une ville résistante parmi tant d'autres en France. Briançon, c'est une ville dont les monuments, les fortifications révèlent chaque détail de l'histoire de notre pays, de notre nation. De cette histoire, nous devons être dignes. Dans ce moment si important, si décisif, nous devons d'être au rendez-vous. La campagne électorale est terminée. Et ce soir, je veux vous appeler au rendez-vous du rassemblement. Dans un temps si incertain, nous aurons besoin de cohésion, de solidité. C'est un message d'espérance que je veux envoyer ce soir aux Briançonnais. Notre ville, notre vallée ont les ressources, les idées, les volontés, les femmes, les hommes pour participer au redressement, pour changer notre destin, pour construire ensemble un avenir meilleur.
Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, madame la conseillère départementale, je serai le maire de tous les Briançonnais. J'ai au cœur l'amour de notre ville, j'ai au cœur l'amour de la France. Je me fais une haute idée des fonctions que nous exerçons chacune et chacun à compter de ce jour. Je me fais une haute idée de celles et ceux qui nous ont précédés, qui ont participé du destin de notre ville. Je me fais une haute idée de notre mémoire, de notre histoire, qui sont les fils de notre âme commune, le socle de notre communauté, de nos hameaux, de nos montagnes. Dans quelques minutes, j'irai honorer la mémoire de nos anciens maires. Il est temps que notre ville se réconcilie avec son passé et donc avec elle-même. C'est ainsi, je le crois, que nous construirons notre histoire. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Et je vous demande de mesurer la responsabilité qui pèse sur chacune de nos épaules. Aujourd'hui, il s'agit de notre histoire. Le passé répond de l'avenir. Soyons dignes, soyons à la hauteur, soyons humbles, soyons au rendez-vous de l'avenir. Faisons face aux défis qui nous attendent avec la volonté à chaque seconde de tout donner, de tout sacrifier, de tout dépasser pour Briançon. Je vous remercie. Je vais, si vous êtes d'accord, passer à la suite de l'ordre du jour. Et celui-ci appelle en point numéro 2 la détermination du nombre d'adjoints au maire. Et ce nombre d'adjoints est fixé à 9. S'il n'y a pas de prise de parole, je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? 3. Je vous remercie. La délibération est adoptée. Je vais désormais vous communiquer la liste des adjoints au maire que je vais vous lire et nous allons au bulletin secret participer au vote. Je vais demander à Émilie Desmoulins d'être secrétaire de séance et je vais lui transmettre la liste. Je ne sais pas si elle l'a. Et je vais demander, vu qu'elle ne pourra pas en même temps vous appeler et être assesseur, à, au hasard, Renaud Ponce d'être assesseur avec Yoann Lagier s'il l'accepte. Je vous soumets à votre vote, délibération numéro 3, l'élection des adjoints, Richard Nussbaum, Catherine Valdener, Éric Pétieux, Annie Astier-Conversé, Jean-Marc Caponi, Émilie Desmoulins, Christian Julien, Elisa Faure, André Martin. Et je vous prie, si vous le voulez bien, Madame Desmoulins, de bien vouloir faire procéder au vote par l'appel. Alors, petite précision, on est en train de vous distribuer la liste. Donc si vous mettez la liste telle quelle, c'est un vote pour. Si vous la barrez, c'est un vote contre. Et si vous mettez rien, c'est un vote blanc. Madame Dardenne, je vous en prie. Non, bonjour. C'est juste pour vous demander si c'est vraiment nécessaire de faire un vote à bulletin secret. Oui, ça l'est pour des questions légales, oui, tout à fait. Mais vous allez voir, Madame Desmoulins est d'une rapidité exemplaire pour nous appeler tous et tous aux urnes. Et nous allons aller très vite. Monsieur Murgia. Et après, je... Non, non, mais c'est bon, on va commencer. Monsieur Nussbaum. Attendez. Est-ce que les assesseurs peuvent bien venir à l'urne, s'il vous plaît ? Madame Valdener. Monsieur Pétieux.
Madame Annie Astier-Conversé. Monsieur Julien Christian. Émilie Desmoulins. Jean-Marc Caponi. Madame Faure-Elisa. Monsieur André, André Martin, pardon. Madame Claire Barnéou. Madame Stripnikov-Michel. Monsieur Michel Patrick. Madame Aschettino-Corinne. Monsieur Ferru Christian. Madame Forbrac Corinne. Monsieur Michel René. Madame Lasserre Brigitte. Monsieur Hostie Christophe. Madame Olanier Monique. Monsieur Renaud Ponce. Madame Soubrane Marie. Monsieur Boulet Hervé. Madame Cordier Sandrine. Monsieur Lagier Johan. Madame Xosa François-Marise. Madame Sertour Natalia. Monsieur Dazin Florian. Madame Michèle Solange. Monsieur Schwartz Thomas. Madame Poyo Aurélie. Monsieur Léon Gabriel. Et Madame Dardenne Francine. Le vote est clos. Je vous prie de bien vouloir procéder au dépouillement, s'il vous plaît. Il y a bien 33 bulletins dans l'urne et on va procéder au vote. Au vote.
On les a formés pareil. Vote pour, avec premier adjoint, Nussbaum Richard. Non, mais vous dites juste vote pour, hein, vous avancez. Ouais. Vote pour. 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 Vote nul. Vote nul. Vote nul. Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc. Vote nul. Vote pour. 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 Et dernier vote pour. Avec 25 voix pour, 3 suffrages blancs et 5 votes contre, les adjoints sont élus. Et je vais leur remettre leurs écharpes.
L'ordre du jour appelle un dernier point. Vous savez que la loi Le Cornu, engagement et proximité, rend obligatoire la lecture et la remise de la charte de l'élu local que je vais vous lire. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat ou de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Cette charte vous a été distribuée et je voudrais tout simplement, puisqu'il n'y a pas d'autre point à l'ordre du jour, s'il n'y a pas de prix... Si ? D'accord. Alors oui, ben, je vais les faire passer comme ça. Je vous fais passer aussi les conditions générales d'installation du mandat. Tiens, regardez, un de chaque côté. Voilà. Tout à fait. Alors, je vous informe aussi, point important pour vos agendas, que le décret qui a été publié le 29 juin nous oblige à réunir le conseil municipal le 10 juillet prochain. C'est pas avant, c'est pas après, c'est le 10, c'est le décret qui le précise, afin d'élire les grands électeurs qui voteront le 27 septembre prochain aux élections sénatoriales. Vous pouvez aussi, si vous ne l'avez pas fait, bloquer le 27 septembre. Je vous propose donc de réunir à cette occasion le conseil municipal à 9h et de tenir par voie de suite, le conseil communautaire à 9h30 dans cette même salle. Mesdames et messieurs, oui, madame la conseillère départementale. Je souhaiterais, si c'est possible, connaître les différentes délégations ou domaines de compétences qui ont été attribués aux 9 adjoints qui viennent d'être élus. Les arrêtés de délégation seront signés lundi, le temps d'être enregistrés en préfecture. Ils seront immédiatement publiés, rendus publics sur le site de la ville et dans la presse. Mais vous ne pouvez pas nous dire quelles sont les délégations Je signerai les arrêtés, je les rendrai publics lundi, madame Poyot. Merci. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les maires adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, c'est avec un immense plaisir que je voudrais tout simplement vous dire merci, saluer l'ensemble des Briançonnaises et des Briançonnais qui sont ici et celles et ceux qui nous regardent, qui n'ont pas pu assister, eu égard aux règles sanitaires qui sont toujours en vigueur. Et je voudrais du fond du cœur vous dire tout simplement merci. Je vous invite dans maintenant une grosse demi-heure, puisqu'on a un petit peu d'avance, à nous rejoindre, si vous le souhaitez, au Monument aux Morts, pour déposer une gerbe au nom des morts briançonnais pour la France. Et le conseil municipal, ensuite, déposeront une gerbe, un bouquet, devant le domicile de M. Decaumont, que nous avons souhaité honorer, et sur la tombe des deux anciens maires qui reposent en ville, en tout cas les deux anciens maires après 1945, M. Adrien Dorel et M. Alain Béraud. Vous êtes ensuite conviés à un apéritif tout à fait simple au jardin du gouverneur, si le temps le permet, mais naturellement il le permettra, et sinon nous nous replierons sur la salle du vieux Colombier. Voilà. Merci à toutes et à tous, et bonne fin de journée.